idées de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui manque aujourd'hui. Bon matin, la gang de Snoro. C'est encore coucou. Voilà, bien bon, là, j'espère que t'es pas trop fâché. Encore? Ben oui, encore. Hein? Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Là, vous avez vu, gang, avec la vidéo de Raymond ce matin, que notre très cher ami House of Roo Doomsday est un troll, une sniche, un hypocrite, une pourriture que je pourrais... Oui, vous pouvez exposer ça aussi. Hein. Ces paroles-là, vraiment, tu peux l'enregistrer, puis tu peux exposer ça aussi. Tu sais que moi, il n'y a rien à moi d'épreuve. Hein. Fait que... vous avez confirmation avec cette vidéo-là. Il a exposé notre cher ami House of Roo une conversation qui est privée. Et il a fait ça parce que j'ai testé à quelque part. J'avais certains doutes. Parce que comme vous pouvez voir, depuis un certain temps, là, il a lâché le dos à Maroun. Hein? House of Roo. Posez-vous pas de questions, là. Pourquoi il l'a laissé tranquille, là? Souvenez-vous, depuis qu'il y a eu la conversation avec lui en live, là, tu sais, là? Hein? Bon, ben, M. House of Roo est rendu du côté, de notre côté, de notre très cher Maroun. Puis, hier, j'ai allé attaquer à un endroit, OK, que je savais certains doutes, OK, sur la page des grosses patates du web, là. Ben, il y a du House of Roo en arrière de ça. J'ai mis deux petites vidéos vite faites, là, tantôt à partir de la shop. Peux-tu essayer de faire quelque chose avec ça pour que Maroun le voie, s'il te plaît? Moi, j'ai pas de talent pour ça. Mais c'est vraiment... les deux petits messages, c'est vraiment pour Maroun, là. Et ces grosses patates du web, là, que M. House of Roo a exposé la photo de ma maman, hein? Et c'est lui, je peux vous confirmer que c'est lui qui a sorti les trucs sur la justice qui est présentement encore en cours, OK? Moi, je m'en cache pas, là, tu sais, là-dessus, là. OK, il y a certaines affaires qui sont fausses dans ce qui est sorti, mais oui, la voie de fait, il reste plus rien que la voie de fait qui est en cours présentement. Puis que moi, c'est moi qui vais aller en procès avec ça, parce que je vais sortir certains éléments de preuve compromettantes du DPCP et de la Sûreté du Québec. C'est pour ça que je vais aller en procès, c'est pour ça que je fais durer le plaisir. Fait que notre cher ami, on s'en fout, est derrière tout cela. Méfiez-vous de lui, soyez prudents. Bonne journée à tous. Mélanie, je vois pas en quoi que je pourrais faire de quoi pour tes deux petits messages, là. Moi aussi, là, je suis bloqué de partout, là, la Maroun, là. Tu sais, créez-vous d'autres faux comptes, essayez de faire de quoi. Quelqu'un d'autre, il y aura peut-être Daniel, là, tu sais, là, qui pourra peut-être, je sais pas, là, faire de quoi, là, pour ça, mais moi, exposer ce ton, là, puis il va exposer ça partout, Steph, ta vidéo, tu sais, là, c'est là qu'il risque de le voir. Tu sais, il va exposer ça à ses amis, à ses contacts, on va exposer ça un peu partout, cette vidéo-là, là, tu sais, là, c'est le seul moyen que tu peux voir que, puis même, tu pourras même pas savoir si vraiment il l'a vu, là, tu sais, là, sauf que quand il va te dénoncer dans un de ses lives, c'est tout. Pouvez-vous m'expliquer, en sauve-vous, pourquoi que c'est lui, c'est quoi la preuve? Je comprends pas comment ça, en sauve-vous, ça se peut quasiment pas.
tu m'expliquer en message vocal parce que je suis en auto puis je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le. Ça se peut pas, House of Roux. Il est pas méchant de même, là. Voyons donc. En tout cas, il y a des loups dans la bergerie. Il y a des loups dans la bergerie. Là, expliquez-moi parce que je vais commencer à penser que je suis vraiment blonde, là. Là, je comprends plus rien, là. Je te confirme que si, là, il m'a bloqué de partout, parce que là, il a exposé une vidéo, là, tu sais, là, ben, tu l'as vu un matin, la vidéo avec Raymond, là, ça, c'est un message, c'est une conversation privée entre moi et lui, là. OK, Raymond, c'est vous qui avez vu ça, hein? Il a exposé ça partout, lui, là, comme ça, puis là, il m'a bloqué de partout. Fait que c'est pas compliqué à comprendre, là. Puis là, ben, là-dessus, là, tu vois, là, il y a une photo, là, qu'à moi et puis lui, là, OK? Que j'ai envoyé. Ça et tout, c'est une photo en message privé. OK? Les recherches, j'ai fait ça pour mon affaire d'histoire de casier judiciaire, l'histoire avec mon ex, là. OK? C'est lui qui a sorti ça. OK? Qui a fait sortir. Parce que je sais, j'en ai déjà demandé sur ma route, puis c'est tout le temps lui qui a fait ça. OK? Puis, un petit peu là aussi, là. Ah oui, le Ah, puis c'est lui aussi qui m'a envoyé le screenshot. Tu sais, le screenshot là, d'une conversation privée d'Dan The Rock, Raymond. Il y a Poilu QC, il y a Doomsay, puis Catherine Langis. Ça, qu'est-ce que j'ai partagé là, c'est un partage que Doomsay m'avait envoyé. Ça vient de lui. Confirmé. Vous savez, Dominique, on pourrait donner le bon Dieu sans confession, hein. Mais faut toujours se méfier. Qui se cache derrière ce personnage? Hein? moi, je fais rien que d'en rire. Moi, je trouve ça tellement idiot, stupide. C'est vrai que je suis allé loin dans certaines affaires, mais c'est parce qu'on m'a attaqué. OK? Parce que, oui, je les ai taquinés. Un paquet de monde de pourriture, là, sur les réseaux sociaux qui s'amusent, comme qu'ils ont fait un matin aussi dans le live à Raymond, là, tu sais, avec des faux comptes, là, puis qui essayent de tu sais, qui nuisent au live des gens, là. Bon, ben, c'est à ça que je suis attaqué. Puis, je suis attaqué à ça, puis là, ben, là, eux autres, ils ont répliqué assez solide. Fait que, là, j'ai. Celle-là, c'est là que j'ai décidé. C'est là que j'ai décidé de tout divulguer sur eux autres. Tout au complet, sans aucune pitié. Puis là, ben, et voilà. Là, c'est Mr. Doomsay de House of Roux. Très hypocrite. Très, très, très hypocrite. Honnêtement, j'aurais jamais pensé ça de lui, là. Coudon, il y en a combien de comptes? Tu sais, quand tu parles avec, il y a de l'air super fin, là, c'est... Même que, pourquoi il s'est retrouvé à l'hôpital? Pourquoi il... c'est... Je sais qu'il y a une condition de santé, mais... Son deuxième visage caché de notre cher Doomsay. Eh oui, il joue la pauvre petite victime. La victime qui est malade, qui est épileptique, et tout ça. Mais derrière tout ça, s'il avait été la moindrement un peu intelligent, là, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Non. Puis là, je possède beaucoup d'enregistrements de même sur lui. Pour ce que je sache, la seule chose, c'est en 1990, il était accusé, ça c'est au pénal,
autre petit enregistrement de notre petite hypocrite, tu sais, là, qu'il me donnait plein d'informations de même, là, tu sais, là, qu'il m'envoyait ça en message privé. Vous l'avez, la preuve que c'est un hypocrite. Un autre petit côté hypocrite. Et les plus importantes, ben, comme vous pouvez voir, je garde toujours une carte dans mon jeu. Ma couille n'est pas venue au monde la dernière pluie. Fait que ça va cogner fort. Pauvre Dominique, il n'aurait jamais dû. Tu sais, il y a une toune qui dit « J'aurais dû, ben, du don dû fermer ma grande gueule. » Hey, bonne journée, gang. Je vous aime pareil, OK, là? Non, je vais toujours vous adorer. Allô, je vous ai amené de la visite. Le beau Dominique. Hein? De qu'est-ce que tu parles? Je veux comprendre. Chantal, tu sors ce petit trou de cul-là de Dominique. C'est un snitch. C'est une pédale. Sors ça d'être là, bloque ça, ça presse. Le beau Dominique est rendu dans le groupe. Chantal, je viens de te le dire encore une fois. Il est là juste pour stouler tout le monde. C'est une mamère, ça. OK? Sors ça d'être là, ça baisse. Hey, Cuisson, t'es capable d'écouter ça? Hein? Hein? Le petit trou de cul? C'est-tu de câlisse du poids grippe que t'es, hein? Attends, t'as pas fini, toi? Hein? Même tu fais partie de l'extrême gauche, là. Penses-tu que j'ai pas de ça, moi, là? Hey, Cuisson, t'es dans la merde. Voyons donc, on va partir un câble, là. Arrêtez de niaiser. Hey, la gang, les conseils, Cuisson est là. Sortez tous du groupe maintenant. C'est une mamelle, c'est un stool. Pas Marie, c'est sorti du groupe. Marie avait sorti du groupe à cause de House of Rogue. OK? Elle, elle connaît. Elle connaît encore plus que moi. Je vais en faire rentrer, c'est pas grave. Ah oui, il fallait rentrer, là. Moi, elle est sympathique, elle, puis je l'aime bien. Comme que je vous ai dit tout à l'heure, plus haut, ben, Dominique Cuisson, en s'offre est rendu du côté Maroon. Mais oui, c'est un snitch. Regarde, il m'a même exposé ici, puis exposé la photo de ma mère ici, dans le. Puis c'est lui qui est en arrière des les grosses patates du web. J'ai découvert tout ça, okay, à force de piocher fort. Depuis un certain temps, j'avais des doutes, des gros doutes. Fait que c'est pour ça que j'ai exposé, puis j'étais allé fort, juste pour les faire choquer, puis faire sortir la vérité. Puis ben, ça a fini par sortir. Fait que c'est pour ça que j'ai tombé un petit peu en mode panique tantôt, à cause de House of Rogue qui était rentré dans le groupe. C'est une petite erreur que Chantal a faite. C'est pas grave, ça. Chantal est tout ordonné. Là, il est ressorti du groupe, parce qu'il n'y aurait pas juste moi qui aurait sorti du groupe s'il aurait resté là.
Et là, je vous annonce aussi que j'ai bloqué M. Humpty Dumpty Ray, Raymond Fillion. OK? J'ai découvert d'autres choses aussi. OK? Qui ferait partie aussi d'un certain groupe. OK? Puis là, c'est rendu hot, là, parce que là, c'est rendu un groupe de l'extrême gauche, puis c'est des groupes qui sont violents. OK? Puis ils peuvent utiliser la violence, eux autres. De l'agression. Fait que. C'est pour ça qu'il faut rester notre petit groupe à nous autres, là. OK, puis qu'on s'amuse sur Maroon de même, puis ça va être juste parfait comme ça. Fait que là, je suis rendu modérateur du groupe, puis je vais surveiller ça pour la sécurité de tout le monde. OK, c'est surtout pour toute notre petite gang et nous autres. On s'aime toutes, on est toute une belle petite gang, puis ça va rester de même, puis c'est parfait comme ça. OK? Bye-bye tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, je suis capable d'y aller parce que tu m'as envoyé un message. Fait que, tu sais, si je le cherche, je suis pas capable de rentrer pareil. Marco, j'ai rajouté des bonhommes, là, ça marche. C'est moi qui ai rajouté les bonhommes, là, la langue, puis tout, là. Là, c'est moi, ça. C'est pas House of Roux. Non, non. C'est la grande jaune de Bécancour. Bon, en fait, t'as serré tes mèches blondes, c'est-tu? Petite cocotte. Salut. Donne un petit char de marde, Marco Abel. Toi, là, je te jure que t'as pas fini avec moi. Toi pis moi, c'est la guerre. Marco Amol, remove you from the group. Vous ne pouvez pas envoyer de message à ce groupe. Vous ne faites plus partie de ce groupe. Vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'appel ou de message, sauf si vous le rejoignez à nouveau. Et voilà. C'est ça qui est ça. J'ai décidé de faire une vidéo. Parce qu'avec un vidéo, mes émotions, mes sentiments ne seront pas exagérés. Pour pouvoir le faire avec du recul.